Salut à tous, c'est Rose. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai joué à Battlefield 5. Je sais, personne ne s'y attendait, à part si vous avez lu il n'y a pas longtemps mon post que j'ai posté aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je fais la vidéo le jour même à laquelle je poste le mince, qu'on appelle ça, ouais, le post dans lequel je vous demandais si vous intéressez de faire des vidéos sur Battlefield 5. Voilà, donc actuellement il est 20h à peu près et j'ai vraiment la crème, les amis. C'est assez compliqué pour moi. Donc j'ai la crève, je suis malade. En plus j'ai mon bras qui me fait salement mal. Mais j'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup surtout à Battlefield 5 en ce moment. Regardez cette beauté du jeu. Le jeu est en full low, les amis. Et le jeu qui reste quand même beau. Je trouve ça incroyable quand même. Les jeux d'aujourd'hui sont putain d'optimisés pour tourner. Parce que actuellement je vois à peu près un truc comme 120-130 FPS. Et c'est vraiment appréciable quoi sur un jeu comme ça. Actuellement, j'ai un micro, enfin j'ai remarqué que dans mes vidéos en fait, j'avais un micro qui était... Ok, je l'ai tué de très loin celui-ci, je pense que je méritais vraiment mon kill pour le coup. Lui il m'a sauvé, merci l'allié d'ailleurs, qui m'a sauvé juste à l'improviste comme ça, ça fait plaisir. Ok donc... Le char qui fait un putain de bruit. On va essayer de cover justement ce point. Parce qu'il faut vraiment dans ce mode les gars garder le plus de points. Enfin le plus de points. Il faut avoir au moins 2 points en fait. Si vous avez 2 points et que vous avez à garder l'avantage, c'est à garder vos 2 points. C'est vraiment le truc primordial. C'est vraiment le meilleur truc. Le meilleur phénomène. Je sais pas si c'est phénomène mais le meilleur truc qui peut se passer en fait. Ok bon. Attendez, je vais essayer de mettre un bon tap. Ok bon, j'ai pas réussi à mettre un montage, j'ai mis un tout tap. Les gars, ça compte, allez. Allez, ça compte, en vrai, allez. Allez. D'accord, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Et là, pour le coup, j'ai vraiment flippé ma race quoi. Pour rien du tout en plus, hein, très clairement. Ici les gars, on est sur la map, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle. J'ai jamais joué cette map, on est sur Berthe, je crois que ça s'appelle. Non, on est sur Arras, je dis que de la merde. Et parce que j'ai lu le petit bordereau en haut à gauche. On est sur Arras du coup. D'accord, bon bah le mec qui ne prend pas visiblement ses balles. J'espère qu'il va au moins se repointer, s'il te plaît. Voilà, ça t'apprendra. Oh le cri! Gros dans la grâce, screamer. Ça m'a fait flipper ma race. Oh le cri les gars. Ok d'accord. Mon deuxième, Atheros. On prend de la vie. Ok. Les gars, actuellement on est en train de prendre Berthe. On a le point A, le point C nous a été perdu par nous-mêmes. On va devoir simplement actuellement allez, qui peut... Ok. Le mec se couche, je crois qu'on voit pas quand il se couche. Lui, oh voilà. Voilà les amis, j'ai une masse de balles. Ok les gars. Ok, on est contre des snipers, A mon avis ça va le faire, simplement le fait que j'ai mal au bras. Je le dis souvent les gars mais c'est vraiment important. Le fait que j'ai mal au bras m'empêche de vraiment flic et tout ça. Parce que ça fait vraiment très très mal. Très mal dans le sens où ok, c'était une balise de réapparition ennemie. Je pensais que c'était une balise de réapparition alliée mais c'est pas grave. Ok, on est actuellement en train de perdre le point, nickel. C'est une tête ça? Non. Ah, de par là-bas. Ok, bon. On en a rien à faire, on va simplement aller rusher. Pour ceux qui me demanderaient les paramètres graphiques, ils seront dans la description, hein, très clairement. Voilà, toi meurs. Il y en a un deuxième, ok. Bon, il me reste 3 balles, les gars, il me reste 3 balles. On va pas aller loin avec ça. Ok, toi t'es là. Ok, un headshot, vous voyez, là j'ai mis un one tap parce que j'ai un headshot à très courte portée. Et voilà, c'est ce qui fait la puissance de ce magnum actuellement, c'est que il one tap en headshot, hein, très clairement. Et ça me fait un peu penser. On a un vu, d'accord. Ça saute. D'accord, ok. Les gars, très clairement, là je suis en train de découvrir un jeu, d'accord. C'est à dire que là, les gars, je dois avoir un truc comme même pas 10 heures de jeu sur ce jeu. J'ai fait ma sensi et c'est la seule chose que j'ai faite sur ce jeu actuellement. Très clairement, du moins. Ok les gars, ce que je pourrais faire, au lieu de rester comme ça là, hein. Bon allez monte ta race. Il casse les couilles à mettre des clés morts, hein. Vous les voyez au moins tu vois. Enfin on les voit je veux dire mais c'est très très fourbe comme
comme comportement. Et actuellement, voilà, je pensais, j'espérais tuer le mec au moins. J'ai quand même mis un headshot et quand je mets des gens de l'eau comme ça, c'est ça me tient à cœur de les tuer. Comme un peu tout le monde, je pense. Non mais gros, mais sérieusement, attendez deux secondes, j'ai suivi mon premier écran. C'était un peu dirty. Un peu sale, pardon. Et des fois j'ai des mots en anglais mais pas en français, c'est assez assez compliqué. Oh, ok, lui c'est un ennemi. Oh, y'a un mec là, what? Ok, il est mort, il est très clairement mort. Là faut que je m'allonge. Oh. Ok, lui il est mort. Les gars, je sais vraiment pas jouer à ce jeu, je connais pas du tout le teamplay. J'ai joué aux anciens BF sur console par contre, mais pas à ce nouveau BF sur PC. Oh, il m'a fait flipper lui. Ok, maintenant les gars, est-ce qu'on a toujours A? Est-ce qu'elle va se faire prendre? Est-ce qu'on a toujours A? Je pense que je vais directement roter sur A parce que sur C ça a l'air de bien ce fight. Bon, je suis en 14-2, c'est plutôt propre, du moins pour un joueur qui n'a que 10 heures de jeu à peu près. Ok, lui il est mort, ça fait très très mal au bras actuellement les gars. Je vous ai dit que je vous avais dit que le mec qu'ils allaient roter sur A. Je vais aller prendre les munitions de cette personne, je vais rester dans la grange pour voir ce qu'il en advient de tout ça. Et je vais simplement prendre sa Suomi. Je pense que c'est. Voilà, c'était la Suomi. La Suomi c'est un peu les gars une putain d'arme hein, très clairement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la Suomi, j'ai entendu dire qu'il fallait simplement toujours. Mais vraiment toujours, et c'était essentiel ne pas viser avec, parce que si vous visiez avec, il se faisait un peu quelque chose de la merde, c'est-à-dire que le recul partait en couille et tout ça. Bon, c'est quoi, on va viser quand même, parce que j'ai toujours cette habitude-ci, cette mauvaise habitude, si je puis dire, de viser. Est-ce que ça passe de là? Ouh, presque, attendez. J'ai dire si. Oh merde. Ok, il m'a très clairement vu. Une arme très très puissante, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, je joue avec la M1A1 actuellement et c'est une arme que j'apprécie beaucoup trop parce que elle est stable. Lui il a voulu monter, il a pas réussi parce qu'elle est stable, elle est puissante, elle fait des dégâts dans ce cas. Quand je dis elle est puissante, c'est ce qui veut dire que ça signifie qu'elle fait des dégâts au final. Non les gars, mais j'ai loupé 3 balles, c'est quoi ça dans la game? Ok, il y a un mec ici aussi. Ah dommage, j'ai touché à combien? Bon, j'ai pas touché à beaucoup. Ça me saoule parce que j'ai pas eu le switch assez rapide. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est tirer sur le mec qui avait la capacité de me voir. C'est-à-dire le mec qui était que j'ai switch juste après. Mais bon, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Enfin, j'espère du moins que j'apprendrai de mes erreurs. Toi, tu fais quoi? Mais vous faites quoi, les gars? Ok, toi, je vais te réa. Arrête de mourir. Ok, voilà. Je suis en train de revive. C'est plutôt cool hein, de pouvoir. Oula, ok, bon là c'est moi qui me suis pris une balle. Faut pas qu'il meure là, hein, très clairement. Je vais essayer d'aller un peu au front. Ils sont où les gens? Ils sont. Toi t'es là-bas, t'es sérieux là? Attendez, parce qu'il faut qu'on aille, tué ça. Je dis ça parce que je te respecte pas ce genre de personnes qui campent comme ça, à outrance. T'es où? Ah, t'es là? Toi t'es mort, ça t'apprendra à camper comme un vieux fils d'up là sur le toit là. Ça sent désolé pour les injures. Mais on est d'accord que le monde est petit, exact, c'est ça. Mais toi t'as raison toi, tu vois, t'es belle. T'es une belle mèche, voilà, t'es mignonne. Donc là tu vois, j'ai pas eu de kill en plus mais bon. Voilà, toi tu meurs. Putain, c'était serré, hein. Bien joué à lui, hein, pour m'avoir ajusté comme ça. Oh non, les gars, mais... Vous voyez, ce genre de choses, c'est très clairement de l'abus, parce que le mec, j'ai mis 14 000 balles à distance, et... Très clairement, les gars, et dites-moi, est-ce que je méritais le... Ok, bon, là, très clairement pas, mais... Là, je suis mort. À part si une arme charitable veut bien se donner à moi... D'accord, bah assistance voie élimination évidemment. J'ai l'impression de mettre deux balles dans les chats, mais bon.
Ah dommage, 32, je pensais l'avoir mis dans la tête, c'est pas grave. Au moins, j'ai tenté, voilà. Qui ne tente rien n'a rien, donc au final, on est raccord. Oh, il va me ré ou pas? Il va me ré ou pas? Non! Ah, il est mort! Le pauvre! Oh, c'est dommage que je peux pas... Ah oui. Thanks, mate. Plus d'un an, même. Ok, bon, on arrive sur la fin. 23-7, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas le meilleur score que je pensais faire. La game a duré combien de temps? 8 minutes 46? Non, elle a duré plus de temps que ça. Elle a duré un truc comme 15 minutes. Je vais couper les moments qui servent un peu à rien, dans lesquels je fais pas de kill et tout ça. Je vais essayer de monter ça proprement. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Je comptais en faire sur Ring of Elysium. Donc si ça vous dit que je change un peu de style de vidéo comme ça, parce que moi ça me fait très clairement plaisir de pouvoir sortir de ma zone de confort, de pouvoir changer un peu de format de vidéo et de pouvoir vous proposer autre chose. J'ai pas la chance forcément d'avoir une communauté qui est ouverte à tout plein de types de formats, comme celle de Wastug ou celle de, je sais pas moi, de Squeezie ou celle d'AMXN, des choses comme ça. Car leurs communautés, elles sont genre vraiment intéressées par tout, et voilà. Moi ça m'intéresserait de faire des vidéos sur divers jeux, et j'aimerais bien avoir l'audience que j'ai sur Rainbow Six sur justement ces divers jeux. En tout cas voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et salut tout le monde, c'était Atheros. Bye.